Et voilà, maintenant qu'on a perdu tout le monde, on va pouvoir s'y remettre. Et donc on va se faire un petit... Ah bah super. C'est la foire ici. C'est grave la foire ici. Je sais pas ce qu'ils ont envie de taper, de tabasser, tout ça, mais... Mais il y a des gens qui sont plantés partout et... les gardes, il faut les bouger assez souvent tout seul parce que sinon ils... Ils ont tendance à un peu bugger, surtout que mes gardes buguent toujours à ce niveau-là. Toi, ici, voilà. Donc déjà, ça, ça va être staff only. Staff only. Mais non, mais c'est tata! Alors, comment on fait déjà pour annuler ça? Annuler ça, annuler ça. On va faire de la patrouille ici. Une patrouille là. Une patrouille là. Et ça, staff only. Staff. Ah, mais je vais y arriver. Staff only, staff only, pas staff only. Voilà. Voilà. Donc ça, à peu près, ça devrait permettre de voir à peu près ce qui se passe dans le bazar. Sauf que les patrouilles, forcément, sont en bordel. Parce que quand c'est en bordel, c'est vachement plus drôle. Ah, là, il y a comme quelques taches de sang par ici. Ah bah, il y en a plein qui sont inconscients. J'ai l'impression qu'ils se sont un peu effrités la tronche pour le... pour aller manger. Mais c'est pas grave. Donc lui est en train de crever ici. Lui est en train de crever là. Alors lui est un peu détruit. Je sais pas ce qu'ils font dans le lit, mais il vaut mieux pas savoir. Et là, du coup, maintenant, on a 8 nouveaux prisonniers qui arrivent dans vraiment pas longtemps. Et pas franchement la place de les poser en cellules pour le moment. Donc on va construire des cellules par ici. On va amener l'électricité. Là, normalement, ça devrait le faire. Ils vont jamais réussir à construire là. C'est normal. Voilà, pognon. Donne le pognon. Donne-moi l'argent. Donc ensuite, on va dessiner des petites cellules ici. Oui, ce coup-ci, maintenant, j'ai fini par me dire que c'était pas une bonne idée de faire le mur d'un coup et ensuite de tenter les cellules, puisque forcément, j'y arrivais jamais. Donc maintenant, je construis la cellule avant et je fais le mur après. Et forcément, j'y arrive une fois sur deux, puisqu'une fois sur deux, je calcule mal mon truc et je rate mon espacement ou un truc comme ça. Et c'est tout à fait facile et simple. Donc maintenant, on va mettre un peu de mur. Et je me rappelle, quand on avait discuté à Minecon, Gad Introversion avait dit que c'était... Comment, de rajouter une fenêtre dans une cellule était vachement bénéfique pour le prisonnier. Et puis c'est un des deux qui avait une super version de développement avec méga cheat code enable, genre pognon infini dans tous les sens et tout ce qui va avec, avec la possibilité de faire spawn tous les différents personnages du jeu, tout ça, de créer des incendies à la demande, des riots à la demande, tout ça, c'était assez marrant sa version. C'est même plutôt extrêmement drôle et un peu violent et bordélique, mais c'était assez marrant. Du coup, on va mettre quelques fenêtres ici. Les autres, est-ce que... Je me pose la question, est-ce que ça fonctionne si je remets une fenêtre vers l'intérieur? Est-ce qu'ils enregistrent ça comme étant une fenêtre ou pas? The grande question. Donc on va mettre quelques portes de cellules. Puis c'est bien parce que je ne vais plus avoir de fric pour mettre ce qu'il faut dans la cellule. Alors... J'aurais pas dû construire ça comme ça puisque ça va me coûter cher en tuyauterie.
quelques lits. Et après, si j'arrive à placer tout ça, après ça devrait être bon. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cellules, on en foutra 2 par cellule. Et ce sera très bien. Cool. Lui, il est en solitary. Et il est bien. Mais eux, qu'est-ce qu'ils foutent encore ici? Hein, dégage, dégage. Si tu veux vraiment faire quelque chose, patrouille là-dedans. Hein. Rends-toi utile, sale garde. Parce que là, pour le moment, tu sers un peu à que dalle. Hein. Donc maintenant, il faut rajouter de la tuyauterie. C'est pas du tout ici. Utilities. Donc on va rajouter de la grosse tuyauterie. Qui est là. Là, ça devrait le faire. Ça va me coûter un bras. Et des petits tuyaux. Ici. Et des petits tuyaux. Là. Voilà. Et lui amène les meubles Ikea. Parce que c'est cool d'amener des meubles Ikea. Et oui, j'enregistre la vidéo en même temps parce que c'est cool. Donc allez, mets ton lit, mets tes machins, mets tes bidules, mets tes trucs, mets tes choses. Place les portes. Et normalement, ça a dû débugger les portes qu'il y avait ici, plus ou moins. Oui, bah ça débugue au moins celle-ci et celle-là. Parce que de manière tout à fait normale, la boîte contenant la porte est ici. Et là, il y a un bug de sprite, puisque normalement, cette boîte devrait être une boîte. Mais genre une vraie boîte, comme dans une boîte. Avec un peu de boîte. Mais non, en fait, pas du tout. C'est juste un truc bizarre. Hein. Comme ça. Donc là, les toilettes vont être alimentées. Le jour où ils seront décidés à faire ça. Et là, il y a des boîtes qui contiennent de la lumière. Donc, il va falloir placer de la lumière. Lumière. Hop. Ah bah ouais. Non, je vais pas placer de la lumière ici. Puisque j'ai l'impression qu'il y a déjà de la lumière. Hop. 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 Voilà. Alors, c'est le moment où on va voir qu'en fait, j'ai mal fichu les câbles électriques. Pour ça, oui, j'ai mal fichu les câbles électriques, il va falloir que je fasse ça. Et ça. Et ça, et normalement, ça devrait fonctionner si ça saute pas. Non, ça va, il reste encore un peu de puissance. On peut y aller. Puisque ça va arriver normalement. Allez, on se dépêche. Allez, on construit. Allez, plus vite, plus vite. On n'a pas la semaine. On a des nouveaux invités qui arrivent dans 2h15 à peu près. Ah là 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 là. Vas-y, pose ton lit, amène la lumière, pose des trucs. Ah bah, il y a déjà, il doit y avoir une cellule. Ouais, il y a deux cellules qui fonctionnent et ils amènent déjà des prisonniers dedans. C'est assez marrant la faculté qu'a le jeu à faire tourner les prisonniers à travers les différentes cellules et les trucs dessus. Alors les capacitors marchent aussi sur les côtés en fait. On peut voir qu'ils marchent. Et je réponds à la question du live en même temps. Là j'en ai 6 ici et là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barres dans ma petite power station en fait. Et du coup, chaque barre correspond à un capacitor. Ça marche pas par contre. Enfin, ça marchait pas par contre si on faisait une double ligne de capacitor. Mais ça, c'est un bug qui devrait être corrigé ou qui a dû être corrigé, je sais pas. Mais normalement, c'est un bug qui était en passe d'être corrigé, celui-là. Le fait que ça marche pas dessus. Et oui, l'idée est effectivement d'entourer le générateur de machin, surtout quand on commence à avoir des trucs sympathiques, genre une chaise électrique, des machins comme ça, quoi. On t'arrête de foutre le bordel, toi ? Tiens, fais-toi chercher pour la peine. Alors là, pourquoi il n'y a pas de toilette qui apparaît ici ? Pourtant, je suis quasi sûr de l'avoir cliqué... Ça devinerait
Une raison encore bizarre. Et là, je ne comprends pas comment ils arrivent à fail le job d'installer un câble électrique là-dessus, quoi. C'est tout à fait normal, classique et simple et logique et tout à fait bizarre qu'ils n'arrivent pas à poser un pauvre câble électrique là-dessus. Dans 3 minutes, j'ai des nouveaux prisonniers qui arrivent et qui vont être livrés comme de choses très normales par un camion de livraison de trucs tout à fait normal, simple et logique et tout à fait bien, quoi. Hop. Mes câbles électriques sont là et mes prisonniers sont là aussi. Et là, normalement, apparemment, d'après ce que disait Introversion, ils ont réglé le petit problème technique de du fait que les camions de livraison, quand il y en avait trop à la suite, enfin, je crois que c'était trop à la suite ou quelque chose comme ça, au bout d'un moment, ils lâchaient tout leur contenu sur la route et ils continuaient à avancer. Ce qui, en soi, est relativement peu pratique. Voire même vraiment pas pratique du tout. Donc on va s'engager deux petits gardes de plus si j'arrive à le faire. Un, deux petits gardes. Et on va s'engager quelques chefs de plus. On va s'engager un foreman, mais j'ai plus de bureau pour lui. Mes clics ici, espèce de boulet. Et j'ai pas de pognon, ce qui me paraît tout à fait normal et classique, puisque de toute manière, j'ai jamais de pognon. Et mes prisonniers sont lâchés à ce niveau-là. Et... Non, c'est toi qui as mal, le garde ? Eh ouais, c'est toi qui as mal. Bon, c'est pas grave. Et il y a 3 repas pour un nombre de prisonniers vachement plus important que... Bah, que ce qu'il y a. Et donc du coup, ils rentrent les prisonniers qui sont quand même relativement sympas de rester là, tranquilles, en attendant qu'ils se fassent embarquer vers une cellule sûrement commune. Ah oui, cette porte est en staff only, donc c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas. Bon, c'est pas grave. Ça va rester très bien comme ça. Alors là, il n'y a pas d'électricité. Ah bah là, va y avoir de l'électricité et pouf, de la puissance pour tout le monde. Yeah! Et eux, ça serait bien qu'ils se dépêchent un petit peu à faire la bouffe. Parce que c'est pas comme s'ils mangeaient genre à midi, quoi. Mais presque quand même. Du coup, ils ont plein d'ingrédients et ils foutent la bouffe nulle part. Mais je me rappelle plus. Ils cuisinent par terre, mais c'est immonde. Pourquoi il a lâché du bacon? Ah. Quand même 1000 bacon qu'il avait foutu par terre à la poubelle. C'est mieux. Ça aurait été un peu horrible sinon. Donc lui, il lui faudrait un bureau. Est-ce que je peux lui faire un bureau ici? Non, parce que c'est trop petit forcément. Là, je peux pas mettre de bureau parce que j'ai mal calculé la taille du truc. Ici, c'est trop petit. Bon, ici, c'est pas cool. Toi, va donc faire un petit tour ici, histoire qu'on ait un petit peu la vision de ce qui se passe là-bas. Il me reste 119$. Je crois que je vais faire faillite. Mais bon, c'est un peu habituel, ça. Donc toi, casse-toi par ici. Toi, t'es là. Est-ce que je ne peux pas te bouger ton point de stationnement? Hop. Voilà. Ce bruit est particulièrement immonde. Mais vraiment. Et toi, patrouille là. Bah voilà. Et ces gardes ne servent à rien. Donc lui patrouille. Lui patrouille. Lui patrouille. Lui patrouille. Et les prisonniers foutent le bordel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un petit peu. Bon, lui, il est en train de crever. Ah bah, je l'ai viré. Zut. C'est vrai que quand on clique dessus, on le vire. Et du coup, je ne peux pas le réengager parce que j'ai plus de pognon. Là, c'est très simple.
Allez, on va vous foutre. Yarn. Ici, ici, là, là, là et ici. Sous les pas, allez vous défouler dehors. Et allez bouffer aussi, tiens. Ça vous fera les pieds. Enfin, allez pas trop bouffer puisqu'il n'y a pas la bouffe pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qui vous manque, vous ? Toi, t'as pas bouffé. Toi, tu t'ennuies. Pourtant, t'as une table de billard, une télé et des trucs pour faire de la musculation. Alors, franchement, t'abuses, sale prisonnier. Eh, y a presque de la bouffe pour tout le monde. Hein. J'ai dû en nourrir à peu près 50%. Approximativement. C'est pas mal, c'est pas mal. Peut mieux faire, peut moins bien faire. Peut surtout mieux faire, en fait. Parce que là, c'est un peu... Ouais, c'est un peu pourrave. À peine la moitié qui vont manger et... Facile, normal, simple. Je pense que le prochain épisode, ça va surtout être... Et si on recommençait une prison qui est genre pas déjà complètement pourrie et détruite et qui ressemble à rien? Parce que là, ça commence à devenir un peu... Ah bah voilà, ça y est, ils ont fini de manger ce qui était disponible, c'est-à-dire pas grand-chose. 37% des prisonniers ont mangé. C'est un bon score, je pense que j'aurais difficilement pu faire pire. Enfin si, si j'avais viré mon cuisinier au lieu de virer mon garde tout à l'heure, mais... Ouais, bah forcément, t'es pas content. Lèche les restes du plateau de ton coprisonnier. Hop. Tim. Prisonnier numéro 135, 32 ans. John Hay. Qui lui a planté aussi. Ceci, il est comme ça avec tous ses needs à fond. C'est juste un prisonnier qui a planté. Donc j'ai maintenant 3 prisonniers qui ont planté. J'ai 3 prisonniers qui ont planté. C'est pas mal, c'est pas mal. Je trouve que c'est plutôt... plutôt un bon score. J'aime bien. C'est... C'est plutôt original comme nombre. Ah, enfin, finalement, j'en ai fait manger 44%. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aurais pu mieux faire, j'aurais pu pire. Donc, qu'est-ce qu'ils fichent à patrouiller dans la cellule ? Donc, ils veulent tous téléphoner parce qu'ils ont, ils sont tous en manque de leur famille. Il y en a un qui a warpé au milieu de la table de billard. Alors, je sais pas ce qu'il fait. Il fait un truc bizarre avec cette table de billard. Je peux pas équiper les cellules parce que j'ai pas l'argent. En fait, je peux plus rien faire puisque j'ai plus d'argent. Et que je vais avoir des nouveaux prisonniers que je peux pas faire rentrer dans ma prison. Faudrait que j'organise une évasion. Mais si j'organise une évasion, je vais perdre mes grants fédéraux. Et si je perds mes grants fédéraux, ça va être un peu le bordel. Donc là, il y a un petit pugilat au milieu parce que bon, tant qu'à faire, hein, autant se tabasser et en tuer un ou deux parce que c'est quand même cool. Là, il y a Tom Shopland qui se barre un petit peu. Duncan Mead qui téléphone à sa famille. Une méga tache de sang au milieu, normal. Tout le monde est à moitié mort ou inconscient. C'est plutôt sympathique comme prison. Ils ont pété les bancs de musculation. C'est assez simple et logique. C'est cool, c'est le fun. 90%, 86%. Ouais, le prochain épisode, on va vraiment commencer une nouvelle prison puisque celle-là est un peu inutilisable en fait. Là, ça a été conçu pas franchement avec l'idée de cet alpha, enfin de la possibilité de cet alpha 5 dedans et notamment des espaces staff only. Et donc du coup, c'est un peu trop le bordel à gérer. Enfin, en même temps. C'est quand même le bordel à gérer si c'est pas... si c'est bien pensé au début. Mais... Là, j'en ai plein d'inconscients.
Ils sont en train d'en réparer un. Il y a un garde qui fait un truc avec un prisonnier. Il a été lâché par son boyfriend et donc du coup il faut qu'il ramasse. Alors ceux-là, mais qu'est-ce qu'ils fichent? Ils sont assis là et ils glandent. Ils sont en train d'augmenter leur confort en étant assis dans la cantine. C'est tout à fait simple et normal et logique et bizarre. Mais ouais, c'est marrant. 29$, on va pas aller très loin avec ça. Je crois qu'en fait c'est le fait d'avoir réparé le banc de musculation qui m'a pompé 90$ pour le réparer. Hop, voilà, nous n'avons plus un rond et on fait avec. J'ai plus de pognon. Lui il est bien, hein, il se rentre tout seul dans sa cellule. Hop, c'est pas mal, c'est pas mal. Et hop, il dort. Ah tiens, il y a des repas qui sont en train d'être préparés. Il y en a plein qui augmentent leur demande de confort. C'est bizarre. Alors ils sont en train de leur préparer une soupe ou quelque chose comme ça. Il a jeté des patates avec un bruit particulièrement horrible dans son truc. S'il pouvait en faire genre deux marmites de plus. À moins qu'il m'ait buté mon troisième chef. Parce que normalement j'en avais engagé trois des... Ah non, il est là, il est allé chercher des ingrédients. Pour stocker des ingrédients dans un frigo. Parce que normalement avec trois chefs... ils font, je sais plus, c'est 10 repas par chef. Et donc 10 repas par chef, je peux faire 30 prisonniers. J'en ai combien dans ma prison? 27. Ouais, ça devrait pouvoir se faire. Avec un peu de chance, ils vont pouvoir les faire manger. Avec un peu de chance. Mais... ouais, on verra ça au prochain épisode. Saleté de jeu. Sauvegarder. Sauvegarder. Voilà.